Sé que tú estás arrepentida por los momentos que perdí al lado tuyo. Solo contigo, mi amor. Extraño tus labios y tu mirar. Piel morena hermosa, olor de mar. Oye, costeñita, te voy a besar. Al frente de la playa, qué buen lugar. Momentos tan ricos para recordar. Es que todo contigo es tan real. Hay cosas que no se pueden contar, que a los suegros no le van a gustar. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Sirius. Aujourd'hui, c'est la grosse vidéo sur l'antifouling. On vous avait promis ça de faire la vidéo où on vous montre l'antifouling. L'antifouling, pour ceux qui ne savent pas, du coup, je vais vous l'expliquer dans 5 minutes. Et puis, bah voilà, ça va être trop bien. C'est parti, let's go. Bon, les gents, on se retrouve à l'intérieur de Sirius. Je vais vous expliquer en gros les étapes en voix off de l'antifouling en général. Quand on a fait l'antifouling, on était relativement dans le rush, donc j'ai pas pu à chaque fois prendre la caméra et vous expliquer. Donc je vais le faire là en voix off, ce sera mieux expliqué et puis en même temps je vous mettrai des images par-dessus. Déjà, avant toute chose, je vais vous expliquer ce que c'est que l'antifouling. L'antifouling, c'est une peinture, un ensemble en gros de peintures qu'on va mettre sur la coque. Cette peinture spéciale, justement, il y a plusieurs types de peintures. Nous, ce qu'on a mis, c'est de l'érodable. De l'érodable, ça veut dire qu'en gros, elle va durer un an à peu près, la peinture qu'on a mis dessus. Et au fur et à mesure de cette année, à force que les algues, etc. vont s'accrocher sur la coque, et ben des morceaux de la peinture vont s'enlever. Donc si on laisse le bateau en fait 10 ans dans l'eau, dans 10 ans il n'y aura plus de peinture, tout sera parti. C'est-à-dire que ben, voilà, elle s'érode avec le temps la peinture, donc il faut en remettre à chaque fois tous les ans. Après il y a plein d'autres types d'antifouling, je vous laisse regarder si ça vous intéresse, mais voilà, c'est pour faire simple, nous on a mis de l'érodable. Pour refaire la coque de Sirius, qu'est-ce qu'il a fallu faire comme étape avant de remettre l'antifouling? Il a fallu poncer l'ancien antifouling, parce qu'il faut savoir que Joël, l'ancien propriétaire, il mettait le Sirius à l'eau que l'été, les beaux jours et dans des lacs. Sinon, il était tout le temps sur sa remorque. Donc, l'antifouling, il n'a pas eu le temps de s'éroder justement dans l'environnement marin parce qu'il n'était pas dans l'eau. Donc ça, ça a été une énorme galère, c'est-à-dire qu'il y avait une énorme couche d'antifouling sur Sirius pour poncer. Bah c'était pas simple, disons qu'il n'y avait pas juste un millimètre de peinture, il y avait une bonne couche, donc c'était un peu sport à poncer, et comme vous voyez sur les images, on a passé vraiment 2 jours à poncer et ça partait quasiment pas, donc en vrai, à un moment on s'est dit tant pis, on va laisser à peu près comme ça, ça passe. Ce que vous voyez aussi sur les images en vert, c'est la peinture primaire. C'est une peinture justement qui a protégé la fibre de verre en plus de l'antifouling, qui est très importante. Donc une fois qu'on a poncé la coque, il faut aussi poncer la quille. La quille, c'est très important de la poncer. Et il faut aussi savoir que du coup, bah, la coque est en fibre de verre, mais la quille, elle, elle est bah, en plusieurs matériaux. Ça peut être de la fonte, nous c'est du plomb par exemple. Et du coup, elle pèse un sacré poids. Il y a une différence de matière et aussi bah, une différence à poncer et tout, etc. C'est pas la même chose, mais bon, en vrai, c'est à peu près pareil. À part qu'il y a un gros travail à faire sur la quille, c'est-à-dire que en plus de juste poncer l'antifouling, il faut aussi vérifier les points de rouille, comme vous voyez là sur les images. Les points de rouille sont hyper importants à traiter parce qu'en fait, bah, si vous ne les traitez pas, l'année prochaine, il y en aura 2 fois plus, etc. Et puis ça enlève l'antifouling plus rapidement, enfin c'est relou. Donc vaut mieux pas avoir trop de rouille sur sa quille. Pour ça, bah, il faut poncer, poncer plus fort et en vrai, ça le fait. Et donc une fois qu'on a poncé la rouille, il faut rapidement mettre, donc rapidement c'est-à-dire dans les 12 heures quoi, enfin dans la journée il faut le mettre parce que sinon la rouille revient super rapidement. Et donc par-dessus la rouille, on applique de l'époxy rapide, un enduit époxy avec un durcisseur comme ça, ça se propose comme ça. Et ouais, on se retrouve encore une fois en dessous de la quille. C'est un peu flippant toujours, je me fais un petit peu, bader, je suis pas claustro mais... T'es en dessous du bateau quoi, s'il tombe sur la tronche, la flemme. Le pire c'est quand t'es sous la quille, alors regarde. Mais là, tu t'allonges tranquille pour faire un petit peu de truc. Et là, là tu vois, je suis entre eux. J'ai une putain de tonne 5 au-dessus de ma tête avec une quille en plomb là.
qui est prête à me scier en deux. Enfin bref. Ah, tout ça pour dire, deuxième étape. De toute façon, c'est expliqué en voix off ça. Oh putain, rien de mettre quoi. Deuxième étape. C'est nettoyer. Hop, comme ça. À l'acétone. Hop, on en a déjà parlé de ça. Nettoyer à l'acétone, là où il y a le métal brut. Pour dégraisser et être sûr qu'on puisse travailler sur une surface propre, quoi. Et maintenant les gens, vous allez me dire, Erwan, mais qu'est-ce qu'il faut faire après ça? Fastoche, il faut mettre comme ça, hop. Une fois que tout ça c'est fait, que la coque est comme neuve, il manque plus qu'à repeindre, il va falloir, avant de mettre l'anti-fouling, remettre des petits coups de primaire, à part si vous faites ça vraiment parfaitement, mais nous on a préféré à certains endroits où on avait trop poncé justement, on avait enlevé la couche de primaire, remettre un peu de primaire. Sur la quille aussi, là où on a mis de l'enduit époxy, on a remis du primaire aussi par-dessus, pour être sûr que ce soit bien solide et costaud. Bon après ça c'est pas forcément hyper obligatoire, mais c'est plus safe quoi, donc si jamais vous avez des endroits où ça c'est chaud un peu, mettez du primaire, je pense que c'est pas mal. Donc ça c'était l'avant-dernière étape avant de pouvoir mettre l'anti-fouling, et la dernière étape ça va être de vérifier les passe-coques et de remettre du joint d'étanchéité dessus. Nous on a mis du Sikaflex 291i, qu'on a dévissé rapidement les passe-coques, on a mis du Sika, on a refermé parce qu'ils étaient un peu fatigués les passe-coques, comme ça c'était plus safe, après on peut remettre l'anti-fouling par dessus et c'est tout beau. Comme ça c'était un truc à faire, sympa, c'est pas obligatoire, hein. Si votre bateau il est bien, vous n'êtes pas obligé de vérifier les passe-coques, hein, mais on a préféré le faire. Et puis voilà, donc là on va pouvoir passer à l'anti-fouling. Anti-fouling propre, très important, il faut mettre du scotch pour faire une belle délimitation. C'est un peu une galère à mettre le scotch, mais en vrai ça se fait. Et puis bah après voilà, faut appliquer l'anti-fouling partout sur la coque, sur la quille, vous en mettez vraiment partout, faut pas hésiter à bien en mettre. Super le plan. Comme ça là. Et ouais. Oh non. Alors, la prochaine fois, mets des lunettes de protection, je pense. Parce que ça, dans les yeux, ça doit pas être sympa. Hein. Tu veux que je te laisse les lunettes? Les lunettes de mon loulou? Encore? Mais oui. Non. Mais si. Mais non, je croyais que tu parlais des lunettes. T'en as plus là.
Enfin, si t'en as encore un petit peu, mais ça fait guerrier, tu vois. Bon, bah, en fait, en vrai, un tiefling, c'est pas sorcier. Hein. C'est comme de la peinture, sauf que c'est de l'anti-fouling. C'est bien résumé. Voilà. À plus pour une prochaine vidéo. Je déconne. Non, je déconne, on va continuer quand même, on n'est pas des bâtards. Donc, on fait les choses bien.